Oui, cet emprunt partagé, c'était un moment historique hamiltonien, d'aucuns l'ont dit, sauf qu'aujourd'hui nous sommes au milieu du gué et la fin de l'histoire reste à écrire. La réalité aujourd'hui, c'est que le financement de cet emprunt partagé, il est garanti par un budget qui aujourd'hui est contraint par de nouvelles urgences, comme la guerre imposée par la Russie de Poutine à l'Ukraine. Or, il y a un enjeu dont j'ai jusqu'à maintenant pas bien entendu parler ce soir, sont les ressources propres. Il n'y a pas de voie d'arrivée, d'atterrissage, d'aller au bout de ce que nous avons initié avec ce plan de relance, s'il n'y a pas un plan de ressources propres. Et là, ça bloque au Conseil, et on attend que ça avance et que ça soit poussé, y compris par la Commission. Donc, moi, j'ai une grande inquiétude. Surtout, et ça a été dit par des collègues, avec l'augmentation des taux d'intérêt, si nous n'accélérons pas d'autant la création de nouvelles ressources propres. Et puis, sur l'histoire des obligations vertes, les 30% d'obligations vertes. Là, je mets un warning, puisqu'on a vu avec le rapport de la Cour des comptes européenne que sur le précédent CFP, les objectifs verts qu'on s'était fixés n'ont pas été respectés. Et donc, là, il y a une exigence absolue, c'est qu'on ait un reporting précis, transparent, de ce qui relève réellement d'obligations vertes, sinon il y aurait en quelque sorte arnaque sur la marchandise. Donc voilà, ce sont les deux objectifs qu'il faut se fixer, des objectifs vraiment verts et des nouvelles ressources propres. Je vous remercie.